Bonjour les petits copains! Salut les petits copains! J'espère qu'aujourd'hui tout le monde va bien. En tout cas, moi, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin, de nouvelles. Bon, bref. Une nouvelle vidéo, oui, tu vas y arriver. Unboxing! Unboxing! Shopping! Shopkins! Shopkins! Effectivement, on est sur un. Moi aussi, j'arrive pas à le dire. Unboxing Shopkins pour les petits budgets, pour des anniversaires, pour des Noël, des choses comme ça. Donc voilà. Donc nous, c'est un unboxing fin d'année. Alors Findel, hop. Bon, j'allais te dire par quoi tu veux commencer, mais apparemment, vas-y, tu choisis. Montre-nous ce que tu as choisi. Tablette de chocolat et pommes. La tablette de chocolat et pommes. Alors ce sont deux petites gommes puzzle. Voilà, comme vous le voyez, donc ça va faire la misère de maman, quoi, parce qu'il va y en avoir partout, hein, forcément, vu que ça se démonte. Tiens. Donc on a une tablette de chocolat et une pomme. Ah, oh, ils sont déjà montés. Ah oui, ils sont déjà montés. Hop, j'en prendrai, moi. Oh, la jolie tablette de chocolat. Ça donne envie de sentir, hein, forcément, mais non, ça sent rien. Tu nous montres la pomme? Qu'est-ce qu'elle a dedans, la pomme? Alors, il y a les feuilles et j'ai l'impression qu'elle a une sorte de petite paille. Donc voilà, elle s'appelle pommette et chocolette. Ok. En fait, ouais. Ensuite, le second, tu veux ouvrir encore les gommes ou autre chose? Oui. Encore les gommes. Donc, il faut savoir qu'il y avait deux paquets de gommes. Hein. Montre-nous ce que c'est. Ah, attends, je te tiens. D'accord. Tiens, je te laisse me dire. C'est quoi? Un donut et un cookie. Un donut et un cookie, oui, effectivement. Et derrière, on a aussi... apparemment, ça se démonte aussi. Ben et oui. C'est Donuta et cookie. Tiens, fais-toi plaisir. C'est qui? Donuta et cookie. Là, c'est pommette et chocolate. Et toi, c'était Donuta et cookie. Alors, je pense que ce sont des gommes démontables, hein, comme d'habitude. Tu nous diras, tu nous montreras. Ah, ouais. Oui, ah non. Oui, ah non. Merci. En plus, ils avaient mis les chaussures à l'envers. Ah, ils avaient mis les chaussures à l'envers? Ouais. C'est pas grave. C'est pas dramatique. Alors, qu'est-ce qu'on a? Montre-nous. Ah, des petits cookies! Un donut, je le mange. Et en plus, c'est un cookie croqué, donc avec des pépites de chocolat. Et il fait un joli petit sourire. Allez, toi, tu es avec les autres. Et là, le cookie, le donut. Ah, mais je ne veux plus rentrer maintenant. Alors, fais voir, je vais le mettre. Ah oui, je sais comment on fait. Et voilà, le petit donut. Qu'il est mignon, le petit donut. Oh, il est mignon. Je vous mettrai tous les prix. Hein. Vas-y. Celle-là. Montre-la nous. C'est quoi ça? Enfin, je veux dire celle-là. Celle du haut. Laquelle? Celle du haut? Oui. Montre-nous. Alors ça, c'est la saison 6. Voilà. Et on a quoi? On a une... Des chocs. Attends, je vais te dire. Attends. On regarde un petit peu de prix quand même. Voilà, tiens, je pense pas qu'il y ait des odeurs. Cindy m'a dit qu'il y a peut-être des odeurs, mais je pense pas, hein, je suis vraiment pas sûre. C'est vraiment joli ces petites choses. Et c'est bien collé. Et c'est bien collé aussi. Ouais, j'aurais bien aimé avoir tout ça moi quand j'étais petite. Alors là, apparemment, il y a les Shopkins, c'est par thème. Et là, on est dans le chef club comme thème. Mmh. Et donc, c'est un packaging de combien? Attends, de 12 Shopkins là-dedans. Ah, c'est trop mignon. Waouh. Hop là, je t'enlève ça. Donc on est sur les Shopkins nourriture, hein. On est sur les Shopkins Chef Club. Alors montre-nous ce que c'est. Mais il n'y a pas que du Chef Club, après vous verrez qu'il y en a d'autres. La petite barquette de fraises, trop mignonne. Ouais, ça donne envie de sentir, mais c'est quand même du coup. C'est une jolie collection qui commence. Là, on a un pot de chocolat, de crème glacée au chocolat. Là, on a le petit sandwich. Trop chou, le petit sandwich. On voit même plus les yeux. On a les petits cookies. On a quoi d'autre? C'est quoi ça? C'est trop mignon, ma petite brigolée. Du cheddar. Regarde le cheddar. Non, c'est pas du cheddar, c'est du pain, je crois. Non, c'est du fromage. Oh, elle est trop belle, la brique de lait. C'est vraiment trop ça bien fait. Ça donne trop envie de manger. Ouais. Avec des mouches au chocolat. Derrière, vous avez les personnages que vous avez dans le packaging. Et vous avez même les recettes que vous pouvez faire avec chaque personnage associé à l'un ou à l'autre. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Montre-nous.
On a du sucre. On a... c'est quoi ça? Du sucre. On dirait du sirop d'érable. Ah, d'accord. Ah, qu'est-ce qu'il y a au fond? Ça doit être le livret en fait. Tiens, vas-y. Ah bah alors ça, j'étais pas au courant parce que c'est la première fois qu'on les achète de cette façon-là, les Shopkins. C'est vraiment intéressant. Tout le monde pêche. Même la boîte, elle est super jolie. Ça pourra te servir pour la dinette. On est à quoi? Bah, ça, pour les Sylvanian ou autre, les Playmobil. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un rat! Tu crois que c'est un rat? Oui, il est doré, c'est un rat. Alors, on a eu un gâteau tout doré. Je sais pas du tout ce que c'est, je vais regarder. C'est presque tout doré. Rose, c'est un... Rose, c'est pas le meilleur. Par contre, il y a pas... C'est un... Je sais pas ce que c'est. Il y a pas... Oh, tu vois encore un rat! Je l'ai pas vu, mais... Bah non, tu l'as pas vu, il est de l'autre côté. Oui, mais ça, c'est le chien. Hop. Oh, là, on est à fond, là. Voilà, donc on a délivré. Montre-moi. Ah non, oh, trop mignon le petit shampoing. Montre-nous. Je suis pas certaine que ce soit un shampoing vu que c'est. Non, ça a l'air d'être du beurre en carreau. Je sais vraiment pas. Je sais pas ce que c'est. Mais on va voir dans les descriptifs en fait. Parce que voilà, on a les petits cahiers comme ça qui sont dans les boîtes. Et dedans, on a les descriptifs. On va bien, on va voir. Voilà. Celui-là. Ensuite, tu fais lequel? Celui-là et celui-là. Celui-là et celui-là, d'accord, ok, c'est parti. Donc, on est toujours sur la saison 6, hein, comme vous pouvez le voir. Pour les deux. Ouais, pour les deux, ici. Toujours dans le club chef. Voilà. Donc là, on a d'autres personnages. Toujours le même principe avec les recettes derrière. La saison 6 encore, avec plein de petits légumes, des choses comme ça. Voilà, je t'invite à défaire celui-ci. Et là, pareil. Alors, Cindel aura des doubles. Hein, bah, donc, je suis maintenant. Oui, vas-y. Donc, si vous en avez des doubles aussi, n'hésitez pas à nous dire. Comme ça, on peut faire l'échange, il n'y a aucun souci. Voilà, plus les recettes qui sont là. Celui-ci, il est ultra rare. On a regardé, il est dans les catégories fuchsia. Donc, voilà, je ne sais plus comment il s'appelle, mais voilà. Vas-y, Cindel. Moi, je te réouvre ceux-là, parce qu'ils sont un peu difficiles à ouvrir. Voilà, je te l'ouvre. Les dollars, les billets. Voilà. S'il n'a pas que des légumes, il a aussi des dollars et des billets. Ouais. Et puis aussi. Pareil. Il y a... Alors, qu'est-ce qu'on a là? Une petite. Je sais pas, un petit sirop, une petite boisson, je sais pas du tout ce que c'est. Ah, une sorte de blender. Alors, celui-là, je crois qu'il est dans les séries. Non, c'est un dollar. Mais non, c'est pas un dollar. Ah non, c'est même pas un dollar, c'est ni un blender, c'est une bouteille. Une bouteille. Je répète. Hop, là, on a une sorte de petit navet. Ah, trop chou, la carotte. D'ailleurs, un chou. Un gain, la carotte. Non, c'est un brocoli. Non, j'ai pas vu. C'est un brocoli. Derrière, un petit crouton, là. Trop mignon. J'adore. Alors, en dessous, vous avez les petits carrés, comme ça. Voilà, on les a enlevés parce que vraiment, le bruit du plastique... Ça fait beaucoup de bruit et à côté du micro, on ne s'entend pas. Donc voilà. Alors, tu as eu quoi? Montre-nous. Il y a la petite banane là. Boum. Allez, on passe à un autre. Un truc de chou. Là. C'est quoi? Un truc de chou. Ah non, c'est des herbes, sorte de. Bon, c'est pas ça, mais c'est. Ah oui, du persil. Voilà, une botte de persil. Mais alors, Cindel fait comme, comme les youtubeuses beauté. Il n'y a pas la macro sur la caméra. Tu peux présenter parce que... De quoi, mon chat? Là, mes trucs. Tu veux que je présente cela? D'accord. Alors, pendant que Cindel ouvre les secrets, moi, je vous présente cela, selon la vue. Les petites bananes. Qu'est-ce qu'on a là? Du coulis de chocolat. Je crois qu'on a la vanille tout à l'heure et là, c'est le chocolat. Non, on a un double déjà. D'accord. Là, je ne sais pas du tout ce que c'est. On verra sur le descriptif. Trop et là, de la farine. Ah, celui-là, c'est un doré. Je l'ai vu sur la liste. Celui-là, c'est un super rare, de super, super, super rare. Un deuxième rare. Un deuxième. Non, mais il est encore plus rare que l'autre. Je vois pourquoi. Parce que c'était inscrit, il était dans les catégories des dorés. Alors, montre-nous. Et toujours pareil, il y a des super jolies boîtes qui peuvent vous resservir après. Ça, moi, je trouve vraiment ça chouette. Il n'y a rien qui se jette quasiment. Donc, c'est bien. Si, j'ai un paquet. Ouais, mais j'ai dit quasiment. Hein? J'ai dit quasiment. Ça veut dire qu'il n'y a presque rien qui se jette. Et moi, qu'est-ce que c'est? Oh, il est trop beau! Il est quoi? Ah, il est rose! Ah là là, mais moi je suis. Ah ouais, bah, tu l'as en double. Je suis une grande enfant, moi aussi. Hein. Quand je vois tout ce qu'il y a de beau
Maintenant, franchement, j'ai pas envie de grandir et j'ai envie de jouer moi aussi. Donc tu me les prêteras tes Shopkins? Non. Comme ça au moins c'est clair. D'accord. Attends, mais j'ai juste une bonne assiette de salade. D'accord. Et tu as encore cela à ouvrir, Cindel? Et là, il y a encore un secret. Alors ça, c'est un packaging plus petit où vous en avez 1, 2, 3, 4, plus le cinquième là-dedans. Je vous mettrai les prix de tous les packagings. Ne vous en faites pas. Ouais, on prend chaque déballage comme ça, on met pause parce que sinon c'est trop de bruit. Alors là, tu as eu quoi? Il y a un tout petit oignon. Tu vois? Regarde, il est coupé. Ah, c'est trop mignon. Trop mignon. Oh, bah, j'espère pas. Là, pour le coup, tu vois, j'espère pas. Pourquoi? Alors, tu as eu lesquels dans cette boîte-là? Alors, il y a eu encore une boîte, par contre, là, elle est verte. Trop beau. Ah, j'ai oublié. Ah, ouais, tu l'as en double, celui-là. Bon, sois pas déçu, c'est pas grave, hein, on va les échanger. Hein. Ben non, voilà. J'aimerais bien les garder comme ça, ça fait des triplés ou des doublés. C'est comme tu veux, c'est toi qui décides, c'est comme tu veux. Donc, dans cette boîte-là, tu as eu celui-ci en double, celui-ci en double. Et celui-ci en double, effectivement. Et en plus, c'est quand je les ai achetés. Encore ? Mais ouais, et quand je les ai achetés, je me suis dit, bon, c'est bon, là, pas de double. Tu parles, là, il y en a quatre d'un coup. Non, c'est pas lui. Ah oui, non, c'est celui-là, le lait, oui. Voilà, donc celui-là, elle l'a. Et celui-là aussi. Mais c'est pas grave, soit tu les gardes, soit tu les échanges. Non, je les garde, ils sont trop mignons. Ouais, mais si tu les échanges, tu peux en avoir d'autres. Hein. Ouais, mais bon, ils sont trop mignons. C'est comme tu veux. Alors, du coup, là, c'est qui ? Lui, c'est Onyu. Les petits oignons. C'est salette. Ah oui, c'est le sel, d'accord. Ça c'est les pâtes, d'accord, des spaghettis. Donc c'est pastani. Et ouais. Là c'est... Ah, c'est une tomate ça? Ah non, t'as pas eu la tomate. Ça c'est la carotte. Je sais pas comment elle s'appelle. Ouais. Ah oui, elle s'appelle... carotine. Voilà. Bon, et ben maintenant il reste encore celui-ci. On fait maintenant. Et celui-ci. C'est là maintenant. Alors on va débarrasser tout ça et puis on revient vers vous. Et voilà, c'est monté. Tadam. On te voit plus du coup. Voilà. Et qu'est-ce que celui-là on voit? Pas terrible. Hein. Alors, est-ce que tu peux nous montrer tout ce qu'il y a là-dedans? Alors là, il y a. Alors ici, il y a ça pour mettre des glaces. Ah, par contre, faut pas fermer, sinon tu les coupes en deux les glaces. Enfin, c'est pas des glaces, c'est des barbes à papa. Oui, voilà, les barbes à papa. Cotton candy, ça veut dire barbe à papa. Alors, on va le mettre un peu plus près. Voilà. Alors là, attends, j'ai enlevé la vitre. On peut planter les Shopkins, on peut les planter dans les supports là comme ça. Vas-y, tu peux mettre là exprès pour vous. Vas-y, on enlève la vitre. Tiens, tu peux la remettre. Et ensuite on la remet et on va encore remettre. Voilà. Alors par contre ça c'est de ton côté parce que c'est toi qui fais les barbes à papa. Tu vois le trou? Voilà. Hop. Voilà. Et ça c'est le stand des petites barbes à papa qui sont déjà prêtes ici. Ensuite, on a quoi de fourni avec? Ah oui, on a ça. Ça, c'est un stand pour justement mettre les barbes à papa quand elles sont faites. Vas-y. Et là, sur les côtés, vous voyez là? Ouais, voilà. Eh ben, on peut planter les petits Shopkins dessus, comme ça, pour les poupées. Alors, faut savoir qu'il y avait un packaging qui avait aussi une poupée grande comme ça. Mais Enola a préféré qu'on prenne ça plutôt pour sa sœur. Et après, plus tard, on prendra avec la petite poupée. Ça, c'est pas grave, on la prendra plus tard. Voilà, et là, on a donc le petit support. Et le petit panneau, trop joli. Et moi, ce que j'aime bien avec les Shopkins, c'est que ça passe très bien avec les Playmobil. Il n'y a aucun souci, au niveau de la taille. Alors, vous voyez? Ah, si. Hop. C'est plus petit. Oui, c'est plus petit, mais bon. Là, ensuite, on a des petites étagères pour ranger tout ça. Il y a des belles finitions. Là, c'est comme si... Attends, je te le rends tout de suite. C'est comme si on avait des placards avec des poignées. Vous voyez, c'est des petits bonbons. Et au fond, je ne sais pas si vous voyez, il y a des petites bonbons, des petites pièces montées aussi. Ah oui. Et encore... Ouais. Et là, encore une étagère. Donc, c'est assez complet, je trouve. Même si c'est petit, c'est assez complet. Mais vous avez fait attention. En même temps, c'est le principe des Shopkins, c'est petit. Et là, on a la petite... c'est une petite table, en fait, qu'on rentre dans le truc. Voilà, tu peux la bloquer, d'ailleurs, la petite table, hein, le truc, là. Voilà, et là, on la rentre. Et si on a envie d'étaler les barbes à papa, on les met là. Moi, je trouve ça super bien. Le dernier, on
reste toujours dans le thème de la fête foraine. Là, il y a deux autotamponneuses. Là derrière, bon, elle a les mains dessus, mais on voit, il y a un petit toboggan là. Enfin, vous verrez mieux tout à l'heure. Là, il y a une poussoire. Je sais pas du tout ce que c'est. Attends. On va le faire maintenant. Ah oui, on va le faire. Attends, je retourne un petit peu. Attends là. Bah oui, je sais. Là, on a des étagères à l'intérieur apparemment. Ah oui, d'accord. En fait, il y a d'un côté, il y a la fête foraine, donc la continuité de l'autre. Et de l'autre, il y a le bowling. Et en haut, il y a des ballons. On a réussi à déballer celui-là. Il était pas sans mal hein, quand même. Hein, Cindel, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, on a eu du mal. Par contre, il est super original et il se complète bien avec le second qui est là-bas. Donc là, comme on vous a dit, c'est la fête foraine, tout ça. Hein. Je vais vous montrer. Alors là, on a plein de petites étagères pour récupérer les trucs. Alors attends. Cindel va vous montrer. Par contre, vous voyez, il y a un petit socle qui est fourni avec une sorte de petite roulette et donc un petit pic pour pouvoir planter. Les personnages en dessus. Vrai, ils sont pas tous des trous. Alors c'est le bowling. Hop. Ok. Voilà. Alors ensuite, elle a eu avec trois petits personnages qui. Boum. Et là, on a des petites voitures. Alors, on s'est dit que, mine de rien, c'était quand même pas mal parce que Cindel pourra mettre des pet shops dedans. Hein, je pense qu'il y a moyen de mettre des pet shops. Hein. Ouais, voilà. Je pense. Ouais, je pense aussi. Je pense que ça va rentrer au début, mais après, je vais faire une chose. Ouais, ça rentre bien. Donc, alors, par contre, là, il y a l'emplacement pour mettre les keys. C'est pas vraiment un stand de fête foraine. Quoique, il y a quand même le toboggan là-bas. Donc on peut dire, elle est où la boule de bowling? Voilà, hop, elle est là et bling. Je vais lui montrer de plus près. Pourquoi le as, il est tout en haut? Là on a des petites sucettes, hop. Mais en fait c'est des boîtes aussi dans lesquelles on peut mettre des Shopkins. Donc désolée pour cette manucure affreuse. Voilà, on peut mettre des Shopkins dedans pour les emporter partout avec nous. Hop. Voilà. J'ai trop et on a les petits trous là-dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre par ici? Alors voilà, c'est Party Game Arcade. Voilà, c'est un stand de jeux d'arcade. Donc voilà pour ces Shopkins. Si ça vous intéresse réellement, on vous invite à aller sur la description de la vidéo. Et vous verrez tous les prix, les endroits où vous pouvez les trouver. Et vous verrez encore une fois, vous allez vraiment pas vous ruiner. Voilà, nous on se quitte là pour cette vidéo. N'hésitez pas à utiliser nos réseaux sociaux. Voilà, donc moi je vous fais des gros bisous. Toi Cindel, je joue. Oh, bon, d'accord, je peux peut-être dire au revoir aux petits copains, petites copines. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Mais bien sûr. Et puis lâchez des pouces bleus. Ouais, lâchez des pouces bleus. Et puis qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? Et des commentaires. Et des commentaires, bien sûr. Sur ce, nous, on vous fait de très très gros bisous. Bisous. Mmh. Au revoir. Mmh.